Lecture de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 1, les quatre premiers versets. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Quelle belle nouvelle pour nous aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui sommes invités à faire comme Saint Jean l'apôtre. Voyez-vous, en fêtant Saint Jean aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer la foi de ceux et celles qui croient sans avoir vu, comme le Seigneur Jésus lui-même l'y invitait déjà au moment où il était encore avec ses apôtres. Chers frères et sœurs, notre vie entière est jonchée de manifestations
de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur se manifeste au travers de tellement de choses qu'elles sont incontables. Elles sont indénombrables. Il nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous donne sa présence, il nous donne tout don et tout bien parfait. À côté de cette manifestation de Dieu, mes frères et sœurs, il y a aussi ces moments de tiédeur, ces moments d'incompréhension, ces moments où nous n'arrivons plus à percevoir la présence de Dieu, soit par épreuve permise par lui-même, soit par notre propre éloignement de Dieu. Mes frères et sœurs, ces moments d'assédie, ces moments où nous ne ressentons plus la présence de Dieu, ne doivent pas être des moments de déclaration de l'inexistence de Dieu, ne doivent pas être des moments d'apostasie, de renoncement, de reniement de la vérité de l'Évangile. Et aujourd'hui, il y a tellement de raisons de ne plus croire, il y a tellement de raisons de ne plus affirmer la foi authentique au Seigneur Jésus-Christ. Tant de mal, tant de problèmes, tant d'épreuves, tant de distractions, tant de bruit qui étouffe notre âme. Non, mes frères et sœurs, Saint Jean nous enseigne aujourd'hui l'attitude parfaite à avoir face à Dieu. Le silence de la foi. C'est le même silence, mes frères et sœurs, du fiat voluntas tua. C'est le même silence, mes frères et sœurs, qu'affiche celui qui se tait face à la magnificence de Dieu, face à la grandeur infinie de Dieu, face à la gloire de Dieu. C'est le silence que chacun et chacune d'entre nous doit avoir au moment de l'adoration, quand Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, vraiment présent dans la sainte hostie consacrée, se manifeste à nous. Nous ne pouvons qu'être à genoux, le regarder du plus profond de notre cœur et lui dire notre amour. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je te fais confiance. Voilà, mes frères et sœurs, le grand enseignement de la vie de Saint Jean. Et quand nous parcourons cette vie, mes frères et sœurs, nous contemplons vraiment de part en part, de bout en bout, la vertu du silence se déployer. Saint Jean est l'apôtre du cœur de Jésus. Saint Jean est l'apôtre de l'innocence. Saint Jean est l'apôtre de la bienveillance, de l'humilité, de la vertu, de l'innocence. Mes frères et sœurs, Saint Jean nous montre bien comment nous devons être avec Jésus. Pour être avec Jésus, il faut juste croire en lui. Pour être avec Jésus, il ne faut pas faire reposer sa foi sur les mouvements contraires du monde, sur les vagues tumultueuses du monde, sur les avis et les opinions du monde. Pour être avec Jésus, il faut simplement lui faire confiance. Il faut simplement entrer dans son cœur. Il faut simplement écouter la voix de Jésus qui résonne au plus profond de notre cœur. Et lui dire, Seigneur, je t'aime, j'ai confiance en toi. Accorde-moi par ma vie d'annoncer ta résurrection, d'annoncer ta venue dans le monde, d'annoncer ton salut aux hommes et aux femmes, mes frères et sœurs, qui ne croient pas encore en toi parfaitement. Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit du sel pour donner du goût à la vie de mes frères et sœurs. Que ma vie soit une lumière pour éclairer les ténèbres de la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, accorde-moi d'être une épaule sur laquelle peuvent se reposer ceux qui veulent te rencontrer. Accorde-moi, Seigneur, d'être un chemin qui mène authentiquement vers toi. Seigneur, que ma vie soit une obéissance permanente à ta sainte volonté. Accorde-moi la docilité du cœur. Accorde-moi l'amour de tes commandements. Accorde-moi de te désirer plus que tout
en ce monde. Seigneur, je t'appartiens. Fais de moi ce que ta sainte volonté aura décidé. Pour tous ceux, mes frères et sœurs, qui auront ce niveau d'amour envers le Seigneur, bénéficieront totalement de toutes les largesses que Dieu promet. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen.